Je m'appelle Ray Donovan. En cas de problème, c'est moi qui assure le service après-vente. Enfin, façon de parler. Ray, on a reçu la liste des clients sur Canal+ en 2015. Oh nom de Dieu. Un tas de séries étrangères. Va y avoir du lourd l'an prochain. Je m'en occupe. Au boulot. D'accord. Tiens, regarde. Ce mec. Il a pas la dégaine d'un Mac ou d'un dealer. C'est qui ? Attends, me dis pas que tu le connais pas. Quand j'ai vu la tête de mon premier gros poisson, je me suis tout de suite dit que 2015, ça allait être une année intense sur Canal. Faut s'attendre à tout. Des gros dossiers, du jamais vu. Des enquêtes criminelles vraiment tordues. Je commençais à me demander dans quel plan foireux je m'étais embarqué. Faut que je demande du renfort. Mais à qui ? On va quand même pas traverser l'Atlantique. Ils m'ont l'air bien occupés, les Rosebif. À un moment, j'ai failli mettre tout le monde sur le coup, même ma femme. Mais là, j'avais franchi la ligne rouge. Service secret, complot, histoire de famille. Au Moyen-Orient, en plus. Pauvre Abby. Heureusement, Lena et Avi ont bien avancé de leur côté. La mafia. Je vais t'enfoncer mes mocassins dans le fion. Faut pas faire ça. Quel enfer. Récapitulons. En 2015, il va y avoir des mafieux, la CIA, des politiciens véreux, des tarés de flics, des flics tarés, des Anglais, des Italiens, et puis quoi encore ? Des Vikings, des dragons, des sorcières. Oh, cette journée m'a flingué. 2015, c'est demain. Et j'ai comme l'impression qu'on n'en a pas fini avec les séries sur Canal+. Sur ce, vous m'excuserez, mais j'y retourne.